Salut YouTube, petite vidéo réponse au challenge lancé par Jean-Luc de la chaîne Couteau, à savoir s'il n'en restait qu'un. Donc challenge facile et en même temps pas si facile que ça, puisque je n'utilise pas que des Opinel. Donc mon choix aurait pu se porter sur un Victorinox, ici le Climber, ou sur un Easy, le Zancudo. Ou sur mon petit CRKT, un petit fixe. Donc il existe une version plus grande, moi j'ai la petite version. Alors, est-ce que... Ouais, petite mise au point, génial. Voilà. Un petit fixe 3 doigts. Alors j'ai une petite main taille 8 en gants. Voilà. Mais bien évidemment, mon choix s'est porté sur un Opinel. Alors le challenge aurait été lancé il y a quelques années, j'aurais répondu un Opinel numéro 6. Car je trouvais qu'en main, c'était juste parfait. Mais avec les années, on évolue et j'utilise beaucoup plus maintenant d'Opinel numéro 8. Pourquoi numéro 8? Parce que beaucoup plus gros au niveau du manche et du coup beaucoup plus agréable en main. Donc j'aurais pu choisir cet Opinel numéro 8 carbone tout simple. Ou j'aurais pu choisir cet Opinel-là, petite parenthèse pour les fouteux. France 98 ou son frangin France 98 en bleu. Petit aparté d'ailleurs, si quelqu'un là en rouge et veut bien me le donner ou l'échanger, bah, n'hésitez pas à me contacter. Et j'en profite d'avoir les deux en main pour vous montrer une petite différence. Alors bien évidemment, il y a la couleur qui différencie, mais le bleu est beaucoup plus creusé ici par rapport au blanc. Alors si je prends un classique, voilà, numéro 8, il est comme le blanc, et le bleu est beaucoup plus creusé. Alors si quelqu'un a la réponse, je veux bien un début d'explication du fait qu'il soit plus creusé. Parce qu'en main, donc le blanc... agréable hein, comme tous les Opinel. Par contre le bleu, le fait d'être un peu plus creusé est un petit peu plus agréable en main. Voilà. Et donc mon choix s'est porté sur ce numéro 8. Légèrement guilloché et sculpté par mes soins. Alors pourquoi un Opinel numéro 8? Parce que c'est le couteau que j'utilise le plus et donc que je maîtrise entre guillemets le plus. Je sais ce que je peux lui demander, ce qu'il peut réaliser. Et c'est le couteau au final que je préfère. Voilà. Ciao!